Sanga dinema iko siliki kanji ya bay iko ibawal kamoga dugumine iko gaspi forsa nu mesla gang erar kana soro iko memo forsa bu blue gang kananda dokuma bela iko dalbu ijanto oro me fokain kamali mine iko montana imbame kake slame kawari chama soro iko baba sisoko kori benga sora ye kangisi musoma iko java sora pour ce soir dans mon frère ATT Junior, la fierté du Mali, les gars qui fait la fierté du Mali qui va là où avec le drapeau malien qui est le vert jaune rouge. Venez moi perso, je suis là pour vous ce soir. DJ, voilà ce qu'on ressent. DJ. Thank you.
se nous sommes mal, il faut dire à Non, mais je vois ton état, c'est pas possible. Tu peux pas rentrer seul. Dès que tu rentres seul, c'est compliqué. Laisse-moi t'accompagner. Le pote, il vient, il ouvre la porte, il rentre. Et après, le pote lui demande, vas-y. Le gars, il rentre, il dit à son pote, attends. Il rentre à l'intérieur, quelques minutes plus tard, il ressort, il voit son pote, il dit, hé, moi, dans ma chambre, quand j'ouvre la porte, la lumière s'allume. Et quand je referme la porte, la lumière s'éteint. Son pote dit, ça n'existe pas au Mali. Attends, une porte, quand tu allumes, quand tu ouvres la porte, la lumière s'allume. Et quand tu refermes la porte, la lumière s'éteint. C'est pas possible, ça n'existe pas en Afrique. Avant de demander à ta femme, on part, on demande à sa femme, madame, madame, réveille-toi. Oui, il y a ton mari qui dit, quand tu ouvres la porte, la lumière s'allume. Et quand tu refermes, la lumière s'éteint. Je ne crois pas vous voir quelque part. C'est pas possible. Alors ma femme, ma fille, elle a 20 ans, elle se promenait toute seule dans la rue. Et tout de suite la police. Les papiers. Moi, je suis la fille de ATT Junior. Même si tu es la fille de ATT Senior, on s'en fout. Les pièces. Et tout de suite, ma fille, elle n'avait pas de pièces. Alors, elle commence à dire, je sais que demain, il y a école. J'ai même pas appris mes leçons. On dit, ouais, t'as pas appris tes leçons, après tu te permets de sortir. Cher Jean, ils étaient deux policiers. Cher Jean, il y a la fille de ATT Junior. Elle est en train de pleurer en disant qu'elle n'a pas appris ses leçons. On fait comme on l'amène ou quoi? L'autre. Faut pas l'amener. Moi-même, j'ai pas appris. C'est pour cela que je suis policier aujourd'hui. Oh merde, c'est vraiment extraordinaire quoi. Et surtout, il y a ce truc aussi que j'aime bien. Je me rappelle, au départ, quand moi je commençais ce métier, c'était pas facile. J'avais envie d'être comme les gars malais, Jamel Debbouze. Et je crois qu'avec vous, Inch'Allah, j'irai très loin. Alors, tu parles à un Parisien, genre, un enfant qui est né d'ici, qui est vraiment d'ici, quand il te parle, ouais, je suis comme un frère, ça va, on est tranquille, on est tout droit, ouais, ouais, je frère, c'est bon. Mais c'est parce que tout petit, on a toujours dit, parle doucement, tu parles pas fort. Et chez nous, le matin, quand nous, on était petits, c'est la maman ou le papa qui te réveille. Allez, bon, sortez, viens me monter. Et toute la journée, tu passais ton temps à faire ça. Et il ne te donnait jamais le vélo. Après, quand tu viens, tu vois ton père, il te dit, oh mon ami, pas pour moi, je vais aller descendre. Oh merde, souvent c'est les parents aussi la faute quoi.
S'ils avaient bossé souvent, ça ne donnait pas le. Ça, imagine, ton père était riche. T'allais pas venir en France ici. T'allais pas vouloir venir chercher de l'argent. T'allais rester au Mali. Mais t'as jamais acheté un vélo. Ceux qui n'ont pas eu de vélo quand ils étaient tout petits, les mains là, s'il vous plaît. Eh, après, il faudra que ça soit. Ça, c'est une bouche. Vous pouvez pas tous avoir un vélo, non, mais c'est pas. C'est bien, quoi. Mais chez vous, tu sais, même chez Sébastien, pour les toilettes, c'est comme ça. Tu termines, tu as pu, ça s'en va. Chez Sébastien, c'est cette dame qui vient vous donner à manger. Et quand tu as faim, tu ouvres le réfrigérateur, tu prends ce que tu veux. Mais chez nous, c'est le tout. Tu es comme ça. Et l'enfant de Sébastien, lui, il avait la chance de regarder Tom et Jane. Et nous, on regardait d'où la famille. Le taximan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre la voiture. Il accélère, mais la voiture ne bouge pas. Il est là, il fait. Les deux gars sont derrière. Il accélère pendant 5 minutes, il éteint la voiture, les autres. Les deux gars, ils ouvrent la porte, ils font ouais. Dieu, taxi man, il va en faire. Je vais vous vider si vous voulez. Et il y a l'autre qui ouvre la porte, il dit taxi man, tu es un gars, vous êtes un gars, mais t'as ma qui fera toi encore. Alors, je récapitule pour ceux qui attendent. Il y a une dame qui dit à l'état, en fait, c'est vrai. Ah, oui, ça fait plaisir. Et faire ce plaisir, compris. Ça fait plaisir. Alors, comme je le disais, toujours dans l'esprit de Maki, tu sais, l'alcool nous amène souvent dans des délires, tu ne peux pas imaginer. Tout récemment, il y avait des grèves. Je ne sais pas si ça. Les gars, est-ce qu'on avait répété pour que vous. C'est normal, applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Moi, pour la petite histoire, j'aime bien partager ce moment avec tout le monde. C'est que, actuellement, il y a des grèves au Mali concernant les étudiants, les élèves. Souvent, l'école, c'est autre chose. Et le développement de la chaîne pour venir faire rire des gens qui comprennent le français. Sans le dire dans ma langue locale, parce que pour moi aujourd'hui, le français. Ah oui. Ok, pour le. C'est pour vous, frère. Il m'a dit. Tiens, c'est. Merci, je comprends, c'est le supplément, je vais. Alors, comme je le disais, et c'était rêve pour moi. Et franchement, voilà, ça a été. Parce qu'au départ, dans ma vie, moi, je ne voulais pas être comédien. Je voulais être chanteur. Je voulais être comme Salif Keita, comme Oum Salaré, comme Bob. Bravo. Attaché. Bravo, bravo, bravo. Alors, merci à tous. Bravo. Je voulais juste vous dire merci. C'était un rêve pour moi. Certes, vous n'êtes pas nombreux, mais vraiment, vous êtes un public formidable. Pas le monde, mais c'est ce qui se passe dans le cœur. Je suis dans mes deux buts et j'aimerais faire la conquête de l'espace, la conquête de l'Europe. Et je ne peux pas arriver sans vous. C'est à travers vos commentaires, vos messages que vous allez donner aux autres. C'est sensible. Moi aussi, juste remercier mon ami, Baba Souna, Sébastien qui a pris son billet d'avion de Bamako avec sa fille pour venir. Ici, ce soir qui est là. Sans oublier tous les médias. Tcheko Roba qui me coiffe chaque jour. Il ne prend pas 5 francs. C'est cher ici. Parce que ça fait Cameroun de la Côte d'Ivoire. Ça fait 20 euros pour se coiffer ici. Et quand je vois ça chez moi à la maison, je n'ai pas envie de me coiffer. Et ma famille, la famille Puyat est là. Jore, Rama, Tijan, Alassane, Anna, Ma, tout le monde. Mon de Paris. Merci.
Alors, on va appeler sur scène Assane Traoré, qui a un message qui n'était pas prévu. Aussi, on va profiter d'appeler Momo de Paris, qui va nous rejoindre avec Famadel. Famadel, Monsieur Souleymane Diarra de l'ambassade du Mali, venez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Ah! C'est impossible. Madame le maire, Djeneba Keïta, sur scène, s'il vous plaît. Absatou, Paramousso, sur scène, s'il vous plaît. Alors, il y a ma famille qui sont là, je leur remercie beaucoup, ils ont été toujours présents pour moi. Cheikh Tidjane Kouyaté, Ibrahim Kouyaté, Rama. Cheikh Tidjane, sur scène, s'il vous plaît. Alors, monsieur et madame Kouyaté aussi, sur scène, s'il vous plaît. Ouais. Et Cheikh Tidjane Sek, le maestro, le guerrier, il est là avec nous ce soir, qui m'a soutenu depuis le début aussi. J'espère que le combat, on va le mener avec vous et que la suite, elle sera avec vous et que la victoire, elle sera avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de détente parce que c'est important aussi dans le combat d'avoir des moments de détente dans le combat. En tout cas, merci beaucoup pour la force et le soutien que vous apportez à notre combat. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je voulais aussi merci à la famille Koulibaly si vous voulez nous rejoindre. Jimmy. J'ai vu que Mamadou et nos femmes ils sont en train de me lancer là, en disant on les a oubliés. Mais non! Non, 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 non! Madame Koulibaly, sur scène, s'il vous plaît. Harry Moussa de Lombi, tu me vois, mais je ne dirai rien. Alors, je vais passer le micro à Cheikh Tidjane Sek. Voilà, qui va parler, oui. Un petit bonsoir au public. Bon, bonsoir à ce beau public. Anéantir le Mali. Vous êtes digne fils de ce pays. Et le Malien, par nature, est hospitalier. Nous garderons notre dignité. L'ennemi est identifié. Ne vous inquiétez pas. Soyons un et. Vive le Mali, vive la paix au Mali. Restons ensemble, améliorons boulot. Merci.